Bonjour Madame Yagi, comment allez-vous en ces temps troublés? Ça va aussi bien que possible. C'est vrai que suivre les informations, des fois, c'est un peu difficile de garder le moral avec tout ça, mais ça va. Vous êtes enseignante de culture religieuse catholique au cycle d'orientation de la Veuvez. Du coup, une question me vient tout de suite à l'esprit, comment la religion juge-t-elle ce qui se passe en Ukraine? Alors déjà, je pense que la religion ne devrait pas juger. Je pense que c'est un vrai problème, ce conflit, parce qu'effectivement, ça remet au cœur des tensions œcuménique avec une certaine église orthodoxe de Russie. Et c'est vrai que, en tant que catholique européen, c'est vrai que ça met à mal beaucoup de relations qu'on avait avec ces églises-là. Et donc, c'est vrai que c'est un conflit, mais c'est aussi un conflit qui fait bouger au centre des religions. Et c'est fort dommage aussi. Et puis peut-on ou pensez-vous pardonner toutes ces horreurs que ces hommes ont faites et puis toutes ces vies enlevées? Alors justement, je pense qu'à l'inverse justement de cette fameuse église d'Orient dont je parle, cette église orthodoxe de Moscou en partie qui justifie cette action que nous on appelle guerre, je pense qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui justement est capable de pardonner, quelqu'un qui est capable justement de penser que quelqu'un, au-delà de toutes les horreurs qu'il peut commettre, a cette possibilité de toujours puisse changer d'avis, demander pardon, un vrai pardon, et que ce pardon-là, il devrait être accordé. Ok. Vous êtes parti en Ukraine, ou plutôt en Pologne, au début de ce conflit. Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? Alors, il faut remettre dans le contexte aussi de la situation que je vivais. Nous connaissons donc une femme ukrainienne qui est repartie vivre en Ukraine il y a 3 ans, mais qui a vécu en Suisse longtemps. Elle a sa fille qui vit ici en Suisse, qui a 20 ans maintenant et qui est amie avec mes filles aussi. Et donc, quand la guerre a éclaté là-bas, malheureusement, elle a fait partie des premières personnes qui ont été bombardées, puisqu'elle vit dans la ville de Gostomel ou Ostomel, comme on dit, les deux se disent, juste à côté de Kiev. Et donc, dès qu'on a su qu'elle était effectivement en grande difficulté, nous lui avons dit, et nous avons promis à sa fille qui était très angoissée ici en Suisse, que dès que ça serait possible d'aller la rejoindre sur la frontière, nous irions la rejoindre pour aller la rechercher et la ramener ici en Suisse. Ce que donc nous avons fait. Vous avez dit nous, du coup, ça veut dire que vous étiez accompagné de personnes. Oui, nous avons un petit peu monté une petite équipe pour partir là-bas. Ça fait quand même beaucoup de kilomètres, donc c'était pas très raisonnable de faire ça toute seule. Donc nous sommes partis, moi, ma fille de 20 ans, la fille de notre amie Anna, et puis un photographe qui voulait se rendre là-bas sur place pour commencer à prendre des photos et témoigner de ce qui se passait là-bas à la frontière. D'accord. Et puis, vous n'aviez pas peur avant de partir? Alors, je pense que ça, c'est un petit peu après on appelle ça, nous les chrétiens, le charisme, hein, mais c'est peut-être chacun a son caractère, on va dire, et je ne suis pas d'un tempérament très peureux, mais plutôt fonceur. Donc, moi, il me semble que quand il y a quelque chose qui me semble être faisable, quand bien même ça pourrait paraître un petit peu dangereux ou quoi que ce soit, ce n'est pas tellement ce que je vois, mais je vois plutôt ce qu'il faut faire. D'accord. Et puis, du coup, pouvez-vous nous raconter votre périple et puis vos impressions de... Alors moi, donc, je suis donc cette équipe. Nous sommes partis très tôt dans ce conflit, sachant que les premières bombes ont commencé justement à atterrir sur ce fameux aéroport Anton Azov à Gostomel le jeudi. Et donc nous sommes partis le samedi matin et nous sommes arrivés donc sur les lieux de la frontière ukrainienne le dimanche après-midi. Donc c'était vraiment très 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 nouveau ce conflit. Et quand nous sommes arrivés donc à la frontière, les choses se mettaient beaucoup en place. Ça n'a rien à voir avec maintenant, où effectivement, on est déjà à plus d'1 mois de conflit de guerre et les choses sont un petit peu installées. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est d'abord beaucoup de solidarité, beaucoup de gens qui se mobilisaient, beaucoup de Polonais, parce qu'il n'y avait encore pas beaucoup, comme nous, de gens qui venaient d'autres pays. Donc beaucoup de Polonais qui se rendaient à cette frontière avec énormément de matériel, des couvertures, des habits, de la nourriture, etc., etc. Et donc, on est arrivé, on a fini par comprendre qu'il y avait un centre qui était en train de s'installer pour les réfugiés, qui était donc organisé d'abord par la protection civile, le premier jour où on y était. Et donc à l'intérieur, c'était très impressionnant parce qu'il y avait énormément de monde,
énormément donc d'Ukrainiens qui arrivaient là fatigués, usés, etc. Et puis aussi énormément donc de Polonais, de bénévoles qui venaient là un petit peu pour organiser justement cette présence auprès d'eux pour les accueillir. Donc c'était un peu le bazar, mais c'était impressionnant de voir qu'en face de toute cette misère, aussi nombreuse soit-elle, il y avait à peu près autant de gens qui étaient là pour les accueillir et puis pour se mobiliser pour eux. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. C'est que j'étais comme beaucoup de personnes parties un peu choquées et puis un peu désespérées de cette horreur qui était en cours. Et en même temps, ben, il faut se dire qu'en face, il y a autant de bonté qu'il y a de malheur et qu'il y a de méchanceté. Ok. Voilà. Puis, est-ce que votre famille vous a aidé? Alors, oui, alors on a vécu ça un petit peu de manière, on a essayé de s'organiser le mieux qu'on pouvait, dans un moment où, ben voilà, tout se mettait en place, comme je dis. Donc, par exemple, la difficulté première matérielle qu'on a eue pour communiquer avec Anna, pour la retrouver à la bonne frontière, c'était justement de pouvoir l'avoir encore au téléphone. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, assez vite, justement, l'armée russe a essayé de faire couper les réseaux. Et donc, le samedi après-midi, on s'est retrouvé avec la difficulté qu'elle n'arrivait plus du tout à avoir d'Internet. La chance qu'on a eue, c'est qu'elle avait encore une carte prépayée Swisscom. Et donc, elle arrivait au bout de ce crédit-là. Donc, depuis la France, ma famille a vite couru au magasin pour recharger sa carte Swisscom, nous envoyer le code, qu'on puisse lui envoyer avant qu'elle ait plus du tout de réseau, pour qu'on puisse rester en contact pour pouvoir se retrouver à cette frontière. Parce qu'il faut bien se dire que c'était des milliers de personnes qui traversaient cette frontière jour et nuit, quoi. Donc, c'était très difficile de se retrouver. Ouais. Et une question revient souvent, pourquoi vous êtes plus touché par ce qui se passe en Ukraine que ce qui se passe en Syrie ou en Afghanistan? Alors, je ne pense pas être plus touchée. Disons que là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais touchée parce que je connaissais quelqu'un. Donc déjà, il y a ça. Donc je me suis mise en mouvement aussi, c'est vrai, par rapport à ça. Et puis, moi, je crois qu'effectivement, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une grande partie de la population européenne, là, est beaucoup plus mobilisée et sensibilisée parce que c'est juste à côté de nous et c'est des gens comme nous. C'est toujours terrible de se dire ça, mais quand ça se passe plus loin, des gens, des cultures qu'on connaît moins, dans des contextes et des conflits qu'on connaît moins, on peut peut-être plus avoir ce recul de se dire « Ouais, mais peut-être que en fait, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Est-ce que vraiment ces gens sont vraiment innocents? Est-ce que vraiment… » C'est terrible, mais je pense qu'il y a de ça. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, vous êtes enseignante, mais selon moi, il serait bien d'expliquer cette guerre aux ados et aux enfants. Mais est-ce qu'il y a une bonne manière de l'expliquer? Alors, une bonne, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que dans le cours que je donne, j'ai déjà demandé aux élèves s'ils avaient l'impression qu'on parlait pas assez ou trop de cette guerre, d'avoir leur ressenti. Une grande majorité a trouvé qu'on n'en parlait pas assez en classe. Donc, je leur ai donné la possibilité de pouvoir s'exprimer, mais, parce que je veux quand même garder aussi cette ligne-là, avec justement ce regard spirituel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour faire de la politique et pour dire, un tel ou une telle a raison. Ce n'est pas mon rôle, en fait. Mais par contre, au niveau spirituel, de se poser la question de la guerre et de la paix, ben, en fait, si on regarde et si on lit un petit peu la Bible, ça traverse tous les écrits bibliques. C'est tout le temps des histoires de guerre et de paix. Donc, certainement que Dieu a quelque chose à dire là-dedans aussi. Et c'est un peu ce qu'on a regardé. Ouais. Vous pensez quoi du président Zelensky? Alors, là, je parle à mon nom propre. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris comment il pouvait discuter et ne pas faire oublier ce que son peuple vit par les médias. Et ça, je pense que c'est une grande intelligence de sa part et je pense que ça permet à ce que nos sociétés ne tombe pas dans l'indifférence et l'oubli avec le temps. Parce qu'on s'est tous beaucoup mobilisés les premiers jours, les premières semaines, mais malheureusement, on peut aussi craindre qu'avec le temps qui passe, on est déjà à plus d'un mois de guerre, on voit que, d'ailleurs, c'est frappant dans les médias. Au début, on parlait que de ça, on parle encore beaucoup de ça, mais petit à petit, ça vient le conflit en Ukraine,
c'est plus forcément les premiers titres. C'est encore des gros titres quand il y a quelque chose de spécifique à dire, sinon voilà. Donc je pense que ouais. Voilà, il a cette qualité-là. Et puis maintenant, avec la pandémie, la guerre en Ukraine et puis le réchauffement climatique, j'en suis arrivé à la conclusion que faire un enfant, ce serait donner une vie compliquée à ce gosse. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense que c'est légitime de penser ça, mais je pense que c'est oublier aussi toutes les difficultés que l'humanité a connues dans l'histoire, bien avant toutes nos difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, c'est courageux de mettre au monde un enfant aujourd'hui. C'est beau, parce que justement, ça veut dire qu'on croit et qu'on espère qu'on peut encore changer les choses et faire un monde meilleur. Si effectivement, on pense qu'il n'y a pas de mieux à espérer de l'humanité, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux plus se reproduire. Mais si on croit qu'au contraire, on peut encore espérer du mieux de l'humanité, alors c'est beau encore de pouvoir se dire, on va donner une vie et on va lui apprendre que nos erreurs, c'est des erreurs et qu'on peut faire mieux que ça. Moi, je dis souvent aux jeunes générations, à vous de faire mieux. D'accord. Et ça ne sera pas très dur. une dernière question, est-ce que vous êtes inscrite à accueillir une famille ukrainienne chez vous ? Alors moi, vu ma situation et que j'ai eu justement cette amie ukrainienne qui est restée un bon moment chez moi, pour l'instant, non, je ne me suis pas réinscrite. Parce qu'elle peut venir encore de temps en temps, donc du coup, c'est un peu compliqué d'envisager d'avoir quelqu'un d'autre. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Bonne journée et espérons que cette guerre ne s'éternise pas. On peut tous l'espérer, oui. Merci.